Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Endless Legend. Je me suis dit entre deux épisodes que j'allais bouger ce bonhomme. Non, c'est pas ça. Merci de me demander de confirmer. J'aimerais juste le transférer de ville. Puisqu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases avec des pièces et énormément d'ouvriers. On est à plus de 140, on va vite voir si ça marche ou pas. C'est lui, niveau 6. 244. Ouais, la différence est mince. Mais il a un boost sur les citoyens et un boost sur les cases. Je me dis que le profiter sur une ville où on a un peu plus de cases et beaucoup plus de citoyens, c'est plus intéressant. Voilà. On a toujours quelques villes rebelles. Une, deux, trois. J'espère que ça va s'apaiser, comme ça on va remonter et ce serait bien qu'on passe au truc satisfait. Evo révoqué. J'ai un héros qui n'est pas assigné. Aucune affectation. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il a un boost particulier lui? Il est taillé pour le combat. Je vais pas l'affecter dans une ville. Peut-être une ville où j'aurais besoin de défendre. Pas tout à fait. Vous, vous allez là. Et les autres vont bientôt y être aussi. Ah, j'ai pas de science. On va en faire une. Ah oui, je voulais voir si j'avais des nouveaux trucs pour mes héros. Ou pas pour mes héros d'ailleurs. Je sais plus dans quel onglet c'est. Ici? Ici. Toi. Hop, un petit coup de soin. Examiner. En équipement. Donc j'ai débloqué des nouvelles armes. Mon Dieu. Donc la dernière qui était bien abusée, elle faisait 59 d'attaque et 32 de dégâts. Et celle-là, elle fait 89 et 48. Et celle-là, elle fait 51, 18 de défense et 48. On va plutôt partir sur 4. Et c'est toujours une épée à une main. Mon Dieu. Et elle me coûte, bon, un peu de pièces et un tout petit peu de ressources de luxe. Donc on va bien sûr la prendre. Et ensuite on va peut-être... Donc il n'y a que les armes sur lesquelles j'ai des choses qu'on changeait. Bouclier, 18 et 15% de dégâts. Mon bouclier de quête, il est quand même vachement chouette. On va le garder pour l'instant. J'ai un autre héros en affectation, à distance. Examiner. Avec une arme qui pour l'instant fait du 18, 20 de mouvement et 10 de dégâts et qui pourrait faire beaucoup plus. Ah, c'est un arc long. C'est quoi l'arc court équivalent? C'est quand même terriblement plus efficace. Hop. Voilà. J'avais que les armes à changer. Il me reste mes unités. Mes modèles d'unité. Donc Elite 2. On va les modifier. Je pense qu'on va leur mettre. Pour l'instant, ils font 45 d'attaque. Et en pratique, avec le boost de mon héros, on est sur du 72 et 54 dégâts avec énormément de vie. Ça, c'est les croisés 2. Si j'ai modifié, je leur mettrais bien l'épée complètement abusée. Hein. 10-10, c'est pas très fort en bouclier. de dégâts, ça m'intéresse plus, ça par exemple. Et on prend
épée à une main, j'ai l'impression qu'elles sont moins bonnes. Ah, c'est parce que c'est ces deux-là que j'ai, moi. Donc c'est celle-là qui m'intéresse vraiment beaucoup. Est-ce que j'ai autre chose à changer dans l'armure? Peut-être. 15%. On est passé à 147 quand même. On fait toujours pas énormément de dégâts. Il y a un truc qui booste les dégâts ici. Je sais plus quelle botte c'est. Celle-là. Et le plastron, je crois que le palier 3, il était 14-40. Il était à peu près aussi bon que ces trucs-là. 14-52. Ouais, c'est ça. Ça ressemble beaucoup. Après, il coûte. Je sais plus combien de marteaux. 36 à 60. Ouais, on va garder le truc de palier 3. Est-ce que j'ai des nouveaux? Non, ça vient avec l'armure. Ok. Appliqué. J'ai les loups distance aussi. Et en vrai, croisé 2 aussi. On va les modifier. Je partirai bien. Donc là, on est sur du arc à deux mains 29-24. On a du arc à deux mains 108-58. Mon dieu. La différence est tellement énorme. Voilà, et le reste de l'armure, on va dire qu'on est bien. Ok. Alors, loup distance. Modernisé. En plus, ça coûte pas très cher en or. Ça coûte par contre des ressources. Bon, j'ai pas des grosses grosses quantités. Et là, si je voulais moderniser tout le monde, ça se passerait très bien. Élite. Ah, j'ai pas modifié les croisés, j'ai modifié les élites. Si je voulais modifier les croisés, modifier. On va dire qu'on va leur laisser cette disposition-là. On va surtout modifier leur arme. Voilà. Donc, on a des croisés 2 et des élites 3. Croisés 2, 72 d'attaque. Élite 3, 165. Si je les monte. Croisés 3, 157. Ils sont un peu plus bas. Bon, on va dire que c'est négligeable. J'ai plus d'or. On peut moderniser complètement mon armée. Bon, ça m'a bien épuisé mes stocks de d'hyperium. Mais tout va bien. Je sais pas combien d'extracteurs j'ai pour avoir plus 5. J'en ai peut-être un dans cette région. Non, dans cette. J'en ai deux peut-être dans cette région. Hyperium, pas de production, pas de production. Je les ai fait. Extracteur d'hyperium. Non. Ah, mais peut-être que j'ai volé les extracteurs d'hyperium de mon voisin, tout simplement, et c'est tout. Ah, faut dire que ça coûte bien bien cher. Où est-ce que j'ai de l'hyperium? Ici, l'extracteur est construit. Là, j'ai un gisement. Non, extracteur aussi. Plus 1. Plus 1. Ah, je dois en avoir plus que ça. J'ai produit 5 partout. Gisement. 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 Non, il n'y a que ces deux-là, je comprends pas. Plus 5 venant d'extracteur d'hyperium, plus 5 venant d'extracteur d'hyperium. Je saisis pas tout, mais tant mieux. Est-ce qu'il y a un village qui m'aide? Là, il me dit plus 1, je comprends pas trop. 2,5. Ou alors mon bonus des ressources par village construites sur extracteur stratégique, ça s'applique pour
toutes les régions, c'est peut-être ça, hein. On va pouvoir vérifier facilement. Là, il me dit. Non, je voudrais un extracteur. Là, j'ai un extracteur de Palandian. Il me dit qu'il me rapporte 2,5. C'est ça. Est-ce que par hasard, j'ai d'autres villages de Silic? Je pensais pas que ça s'appliquait partout. Je croyais avoir vérifié. Allô? Dorgrechi. Je sais pas à quoi ça ressemble un village détruit, ça ressemble à ça. Ok, la case est grisée. Là j'ai un village. Creuseur. Là c'est hors de mon terrain. Creuseur. J'ai pas l'impression d'avoir manqué de village. Très bien. On regroupe ces gens-là. Je vous ai bien dit d'aller là. Hop. 6 sous la direction de Hurol l'orateur. Loup distance, vous faites du 232. Ouais, eux ils tapent fort aussi, c'est pas mal. J'ai pas mal de points, je pourrais sûrement m'attaquer à lui par exemple. Déclaration de guerre. Ça coûte cher. Parce que changement de statut récent. Ok. Avec eux, on est en paix. Déclaration de guerre 131, ça va, c'est très raisonnable. J'ai bleu foncé aussi, mais je les connais pas. On est en guerre froide, je ne sais pas où ils sont, plus exactement que je ne les connais pas. On va plutôt aller par là. Par exemple, en prenant la route. 9 plus, ils sont lents, hein. Comment ça se fait? Vitesse. Ah, mes ronds serpents sont lents. Crotte. En plus, ils sont pas terriblement bien, les ronds serpents. Peut-être que je vais me booster un loup là et puis me dire que les ronds serpents, ils restent. Là où ils sont, et c'est mieux pour eux. Ça peut devenir mon armée défensive, les ronds serpents. Déjà, je pourrais les séparer en deux, tout simplement. Donc, ronds serpents, hop. Toi, jusqu'à toi. C'est. Non, ah, mince. Ah, j'ai plus de points. C'est à nouveau l'hiver? C'est l'hiver qui arrive, qu'est-ce que. On est en hiver en fait. C'est ça? Attendez. C'est maintenant l'hiver. Oui, c'est pour ça. En fait, on va lentement parce que c'est l'hiver. J'ai l'impression que c'est juste ça. La situation ne progresse que si l'on déclare de temps à autre qu'elle le fait, comme aujourd'hui. Fermeture de leurs frontières. J'appelle pas ça une situation qui progresse, mais d'accord. Ouais, plutôt que de faire une nouvelle unité, j'aurais juste dû faire évoluer les croisés. Maintenant, j'ai deux types d'unités mélangées. Alors, stratégie imminente, très bien. Bon, je sais pas s'ils voient venir mon armée. Probablement pas, je suis dans mon terrain pour l'instant. S'ils imaginent que je vais venir les attaquer ou pas. Je sais pas trop s'ils sont en guerre. Je sais pas si je peux le savoir. Y a pas de lien les uns avec les autres, on dirait. Indifférent, prudent, terrifié, méfiant. Je devrais peut-être me méfier, me baser sur ça. Si l'ennemi est terrifié, c'est probablement que je peux le battre facilement.
En tout cas, si je veux booster des loups, j'en aurai deux à booster par là. Alors, nouvelle faction mineure, les Magtais. Agriculteurs chevronnés, les Mag. Les. Que quoi? Pourquoi tu m'as fermé la vignette? Je pense que j'ai une vision incroyable avec mes soldats. Terminé, loup distance. Mais moi, je voulais voir les Magtais. Bon, c'est pas grave. Ah, on est repassé en rébellion. Faudrait que j'active un boost. Celui-là, au moins, je l'ai. On va le. L'activer, même s'il est très moyennement intéressant. Pour éviter d'avoir un trop gros malus. Sur les pièces, essentiellement. Où est mon autre armée? Il bouge tellement lentement. Alors. Celui-là n'a rien à faire. Vous avez fini un nous distance, c'est bien ça. On va faire des pièces maintenant. Créer. Hop, c'est parti. Des unités qui montent. Hurol. L'orateur, celui qui mène mes archers. On va augmenter un peu la vie des unités. Peut-être que on va demander au loup distant de se transférer à côté. Et on va leur mettre Temok. Un héros à distance pour l'armée à distance. Il est équipé comme il faut. Bien boosté sur les dégâts. Violet, c'est les derniers trucs, ouais. Ah, du coup, j'ai pas boosté Hurol. Bon, il a une épée qui est pas mal, mais. Celle-là, elle sera encore mieux. Hop. Voilà. Hop. Et toi, t'as déjà une route de données. Mets-toi à côté. Et c'est le retour de l'été! On a terminé les armures rares. L'été est de retour. Alors, vous permettez, du coup, je vais aller jeter un coup d'œil aux nouvelles armures et aux nouveaux trucs comme ça. Immunité contre les maladies. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis avec ça. Résistance forestière 1. Ouais. 2 étoiles. Pénétration d'armée renforcée. Peut-être qu'on va avoir des trucs plus intéressants là-dessus. 34 et 20%. 30 et 15% d'attaque. Ça booste les dégâts. J'ai l'impression qu'autant les épées, je les trouvais nettement mieux. 89, 48. Presque à du 90, 50. 140. Sans compter le petit bonus de défense. Tandis que cette épée-là. Ah si, elles étaient plutôt bien. Peut-être que c'est parce que j'avais une épée comme ça. Et en effet, palier 2 en titane, c'est pas très bon. Mais bon, là, 5, ça fait à peu près 100. C'est quand même nettement moins bien. Les armures, j'ai l'impression que ça se ressemble quand même. 56, 18. Est-ce que les bottes, ça booste la défense. Bon. On va rester comme ça. On peut aller loin en fait. Hop, croisée milice.
Monte de niveau. On n'a plus de rébellion nulle part. Ça, c'est bien. On est quand même à un taux d'approbation particulièrement bas. Je produis un en cristal de sang. Il me faudrait plus si je voulais utiliser un booster. Voyons un peu ce qu'on a comme ressources. Orchidée de brume. On pourrait faire un extracteur. Je l'ai déjà fait. Production 0, non. Mais je peux peut-être pas encore faire l'extracteur, tout simplement. Cristal de sang, ça je peux faire normalement. C'était un moment, ça fait un moment qu'on l'a débloqué. Adamantium. Extracteur de titane. Alors, titane. Adamantium. Nitrite. On l'a déjà fait le. Non, on voit quand ils sont éclairés ou pas. Cristal de sang. C'est peut-être une nouvelle ressource de luxe. On va vérifier. C'est par là, je sais plus où. Peut-être là. Alors, extracteur de sanguine. Et sang de fée. Non, c'est pas ça. Ah, mais je ne l'ai pas fait. Ok. Eh bien, on va la faire ensuite. Puis après, on fera celle-là. Oh, on va vite. Très bien. Ils bougent pas, eux? J'ai déjà fait bouger. Très bien. Ah, nouvelle stratégie d'Empire. J'aimerais bien récupérer mes 25 de bonus. Et en plus, je peux. Tout en gardant les autres bonus. On va le faire. Hop, on est monté à 400. Peut-être avec l'été aussi. Ah oui, parce que c'est pas encore appliqué les bonus de contentement. Hop. Et toi, voilà. Hop, c'est parti. Distance, extracteur d'or. J'ai fini un loup distance ici. J'en ferais bien une ville très intéressante en brume. Et après, je bascule tout le monde. Hop, on va quand même ramener ce loup. Par là, ici. On va faire une fonderie pour booster les marteaux. Ou une raffinerie. Ou gloire de l'Empire. On va faire la fonderie. Doucement mais sûrement. Vous, marche avant. Vous. C'était intentionnel, je veux bien que vous fusionniez. Merci. Moderniser? Ok. Mes armées sont en place. Elles n'ont pas tous tous leurs mouvements. Je terminerai bien ce loup distant là. Et celui-là. Et après, on verra ce qu'on fait derrière. J'ai pas tellement besoin de booster la science, à mon avis. On peut extraire de l'hyperium pour cette ville-là. Et là, oh, on a déjà des extracteurs d'hyperium de prévu. Ok. Ils sont produits juste à côté de mes armées. Comme ça, c'est de loup.
Hop. Créer. Fusionner avec eux. Créer. Fusionner également. Rond serpent niveau 4. Ça monte tout seul apparemment. Doucement mais sûrement. J'ai un croisé niveau 5, le reste c'est niveau 4 et je produis des unités niveau 4 comme je suis dans l'ère 4. C'est parti. Bon, j'ai l'impression qu'on a bien redressé la situation. On a envahi les verts depuis le moment où j'avais perdu mes deux régions. J'ai pas regagné toutes mes régions, mais je préfère ne pas avoir d'ennemis dans le dos et les avoir tous sur le même front. Comme ça, je peux regrouper mes armées et les affronter facilement. On a des troupes qui ont monté de niveau. Très bien. Je vais faire une petite sauvegarde. Ah bah en effet, je pensais qu'il y avait une probabilité que je finisse avant le tour 200. En fait, ça va très très vite les tours. Et diplomatie. Légèrement jaloux. Donc si je m'attaque à eux, on les a presque rattrapés, on est à 700 aussi. Mais ils ont quand même plus que nous. Donc on va voir si ça passe ou pas. C'est parti. J'ai une réponse. Si la guerre froide ne limite pas vos ambitions, ce sera la guerre. C'est bien ce que j'ai décidé de vous attaquer. Est-ce que je vois où est la ville? Là. Très bien. Ah, on peut pas exploiter les routes, j'ai l'impression. Oui, viens là maintenant. C'est parti, 8 unités dans la ville. Potentiellement, c'est de la milice. D'ailleurs, j'ai le droit de faire des armées à 8 moi maintenant. Et plus à 6. Je pourrais faire que 2 armées. Mais ça voudrait dire répartir les ronds serpents. Ronds serpents, ils se déplacent à 4. Eux, ils se déplacent à 4 aussi. Alors, le culte combat avec vous contre un ennemi commun. Peut-être lorsque vous aurez constaté la valeur de nos armées, accepterez-vous notre religion. Acceptez-vous cette proposition d'échange? Ouverture des frontières, à condition que je donne corps des transmissions. On va dire non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une armée avec un colon. Je sais pas bien pourquoi ils font ce genre de move. Donc on va avancer. Ah, il est sur une hauteur, donc je vais pas trop pouvoir le. 120 de brume. Bon. ah, par contre. Ah non, j'ai pas dépensé mon action. Ok. Donc ce que je pourrais faire, c'est un truc de ce genre-là. Voilà, vous pourriez bouger théoriquement, ça va pas être nécessaire. On l'attaque avec renfort. S'il est tout seul, c'est pas nécessaire. Bon, en même temps, qu'est-ce que je risque? Rien du tout. En auto, il a fusil. Très bien, je m'en doutais. Ah, ça grille leur action du coup. Croisé, rond serpent, montée de niveau. Très bien. J'espère juste qu'il va pas m'envahir en attendant. Ça a pas l'air, mais on n'est jamais trop certain. On va venir par là. Hein. Il s'enfuit. On va s'en prendre à Samut et à Irmida dans la foulée. On peut venir se placer là. Alors, nouvelle faction mineure. Warg de glace. Les
Geldirus. Les origines de cette espèce remontent à une meute de loups parvenue dans la toundra hostile après avoir perdu plusieurs combats contre les drakens infectés par la brume. Non, contre les drakens, point. Infectés par la brume, leur nouvelle forme les a rendus indifférents au terrain et aux saisons les plus froides. D'accord. Et ils augmentent les dégâts. Après, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, donc c'est pas non plus abusé. Je ferais bien un truc du genre, vous deux, transférer ici, et ensuite, disons du moment, rejoignez cette armée. Hop. Et toi, Hurol l'orateur, est-ce que tu restes tout seul? Est-ce que tu nous quittes? Est-ce que tu rejoins? Oui, se déplace à 4, ça va. Hurol l'orateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je le cache derrière. Et siège. Changement de relations diplomatiques. Vos relations diplomatiques avec l'Empire Tardien ont changé. On était en trêve et maintenant on est en guerre froide. D'accord. J'espère qu'avec le boost des plus 25, je vais rester mécontent aussi longtemps que possible. Alors, Golan est près de la victoire. Chapitre 1 sur 5 de la quête de victoire. J'espère qu'il va me dire 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5. Bon, 5 sur 5, a priori, ça veut dire que j'ai perdu. Il y a des unités qui veulent combattre. Grande bataille. On va se battre. Ils ont attaqué mes troupes à distance. On va se battre en mode attaque plutôt. Ah, du coup, j'ai un corps à corps sur mes troupes distance. Qu'est-ce qu'il a? Des officiers de l'aube. Pas beaucoup d'attaques, pas beaucoup de dégâts. Beaucoup de vie, beaucoup de vitesse. C'est de la cavalerie. Et des paquets de soldats à distance qui ont pas l'air d'être bien forts. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai des hordes d'archers. On va les mettre dans la forêt en hauteur. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Eux, ils restent cachés derrière. On est prêt pour le déploiement. On a nos héros. Il peut pas avancer bien loin. Lui, il peut sûrement avancer sur le côté. Et les autres, vous tirez par là. On va les avoir rapidement, ceux qui sont restés devant. Ah, sauf s'ils font des trucs bizarres, du genre se déplacer. Ou comme ça, au lieu d'attaquer mes archers, il attaque mes soldats corps à corps. Ça, c'est une belle bêtise, à mon avis, mais. Ah, elle est à distance! J'oubliais! J'aurais dû la reculer. Ah, il fait des petits mouvements. Tchac, tchac, tchac. 134, ça va, ça pique bien. On va l'avoir abattu dans un instant. Et il va laisser la place libre pour mon héros. Que mon héros puisse avancer jusque-là, à mon avis. Voilà, c'est un peu ça ce que j'avais en tête. Ah, il peut avancer jusqu'à eux. Ok. Bon, sauf que là, j'ai pas d'unité devant pour me protéger, mais. Mais elles vont venir, elles vont venir. Il y a lui déjà qui va passer devant. On va l'exploser, à mon avis.
Tout le monde attaque. Oui, on va dire tout le monde attaque, à mon avis. Si possible, vous tirez sur les gens. Sur les soldats à distance. Toi, t'attaques. Toi, tu peux tirer de loin. Ouais, bon, t'attaques qui tu veux. Les autres, vous avancez autant que possible. Alors, ça va, 82 et on répond 134. Aïe! Oh! Par contre, ouais, bah, il m'a tout shot. Pourtant, elle n'était pas très isolée, cette unité. J'aurais pu avoir du monde devant pour les empêcher d'approcher, mais. Et mon héros aussi. Ok. Vous devez pouvoir tirer là. Il faudra que je refasse des loups distance. C'est vrai qu'ils sont pas super costauds. Oh, mon héros il va faire un détour monstrueux. Bon, c'est pas non plus terrible, terrible. Ah, j'aurais dû lui demander d'attaquer lui si j'avais su. Ah, sauf qu'il va faire des dégâts de groupe. Bah voilà. Du coup, il a buté lui. Yeah, nickel. Ah, il y en a un qui tente un détour. Il va se faire abattre par mes unités. Alors, les loups. Vous, vous allez reculer. Les autres, vous attaquez. Et puis voilà. Toi, attaque eux. Qui t'aide dans ce secteur-là. Voilà. Ah, il vient jusque-là, lui. Aïe. Ah, il tire loin. Bon, ils font quand même assez mal. Oh! Oh non! Il avait survécu! Ah bah oui, mais. Aïe aïe aïe, j'ai vraiment un problème de vie avec mes archers. Très bien, eux, ils vont pouvoir tirer. Au moins on les abat très très vite. Oh là là, on les massacre bien. Qui est-ce qu'ils vont attaquer? Mon serpent? Très bien. Ah, j'espère qu'ils vont pas taper sur mes unités à distance. Bah si, ça c'est malin pour le coup. Ah, sauf qu'on les a eu dans le contre. Le truc un peu terrible, c'est que ces ceux-là ils vont jouer avant moi. Donc je vais pas forcément avoir le temps de replier mes troupes, hein, qui sont blessées. Ouais, les corps à corps ils suffisent, hein, ils font 116. J'ai perdu deux archers déjà. J'aimerais bien limiter les pertes. Donc. Les autres archers. Toi, de toute façon, tu vas pas pouvoir faire beaucoup mieux. Mon serpent, de toute façon, on va pas trop pouvoir fuir. En tout cas, bah, attaque eux, on va voir. Ils peuvent venir se mettre là et taper tout le monde.
Globalement, toi tu recules, toi t'avances mais pas beaucoup, toi tu recules. Ah, j'ai dit à deux d'aller au même endroit. Non, attaque. Non, on pique pas les trucs de mon chef, c'est pas utile. Juste replie-toi là. Hop. Ah, il va peut-être me la voir là. Ouais. J'ai pas encore vu si jamais ces archers faisaient mal à mes soldats. On va pouvoir voir. Moins 1, mais on a contré, je crois. On aurait dû prendre plus cher. Genre 47. En même temps, 47, c'est très raisonnable par rapport aux autres. 47 sur 400. C'est-à-dire que je peux tenir presque 10 coups. Ah, il m'a abattu. Alors que mes archers, ils me les two-shot. Bon, on aura perdu la moitié de nos archers. Mon héros pouvait pas avancer plus loin. Toi, tu vas mourir dans le contre, j'espère. Ah, il m'a perdu une minute de bien régénérer. Ça y est, j'ai quasiment que des corps à corps devant. Dont certains qui arrivent à porter des ennemis. Ah bah ils ont aussi des loups dressés. Si mes corps à corps peuvent avoir masse de vie et faire des dégâts très raisonnables, genre 82, c'est nickel. Je vais arrêter de faire des loups, ils se font démonter trop vite. Et faire surtout des corps à corps. Ouais, les loups, c'est bon. Les autres, vous attaquez. Toi, tu vas même attaquer jusque là-bas. Allez. Vas-y, faites 47, c'est très bien. Ou 0, c'est très bien aussi. Allez, plutôt que les chercher avec mes archers, j'aurais peut-être dû reculer mes archers et tout de suite attaquer avec les l'infanterie qui spawnait au fur et à mesure. Ah ouais, mais si je contre, ça va vous coûter cher. Ah, j'ai pas réussi à contrer. En plus avec le boost de vie, ouais, je vais juste faire des grosses grosses armées avec des croisés. Et puis je pense que dans la majorité des cas, ça va faire le taf. Comme il tank super bien, ça me donne le temps pour les faire reculer si nécessaire. Toi, tape E. Tout le monde tape tout ce qu'ils peuvent, sauf vous. Hurle l'orateur. Ouais, vous pouvez avancer. Toi, tu continues à te promener par là. Toi, voilà. Hop, c'est parti. Bon, et à la fin de cette bataille, on va arrêter l'épisode qui a bien assez duré. Très bien. Ils ont 100% de chance de faire les dégâts. Eux, ils font moins de dégâts, c'est étrange. Ah, ça dépend peut-être le type d'unité qu'ils attaquent, probablement. Nickel, soin de vie. Bon, vous êtes un peu loin et un peu lent, les ronds serpents.
Toi, tu vas peut-être pouvoir achever quelqu'un. Oh, ils ont tenu. Sauf que c'est eux qui m'ont attaqué. Alors, est-ce que je peux la soigner? J'ai pas l'impression. Elle a gagné du niveau. Elle peut augmenter le mouvement de ses unités. Très bien, comme ça on fait du 6 de déplacement. Est-ce que je fais encore des loups quelque part? Oui, là. On va pas se presser de les finir et puis voilà. Par contre, je ferais bien. Je sais plus, c'est élite ou croisé. Élite, il faut un peu plus. Ouais. Hop. Ah, j'en ai mis un dans chaque ville. Bon, on va dire que c'est pas grave. Chaque ville peut bien. J'ai mis à la fin. Assez d'expérience pour le niveau 4. Oui, je vais monter son truc en fait. C'est plus nécessaire de m'afficher le message. Eh bien, on va attaquer. En mode auto. Hop, et c'est cap. On va faire marche avant. Alors ouais, si on peut pas avancer plus, on va attendre un peu. Ah, on peut rechercher par là. Trouver de la brume. Reste là, reste là. Ah, trop tard, c'est pas grave. Il a fait un peu de mouvement sur lui-même. Je vais tenter de remplacer ces deux ronds serpents par des croisés. Ceux de là. Et après, on aura une armée qui déchire, plus des troupes en plus, si nécessaire. Allez, j'ai un autre loup qui aimerait venir. Il reste encore une unité qui a pas bougé. C'est pas grave. On s'arrête pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant.